Yo l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager et intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur chaîne là que j'ai une information sans problème. Ça qui passe, c'est par le seul fait que son seul parole qui a parlé, c'est un groupe qui a décidé, il a mis sur les réseaux sociaux, il a parlé dans la radio, donc, et par conséquent, pas rien l'autre discours. Et nous-mêmes, nous décidons pour mettre l'autre discours, ça nous un discours vrai, un discours dynamique qui explique à la population d'abord le problème. Non? Inconvénient que nous gagnons et comment on a contourné l'inconvénient. Pourquoi ça me dit ça? C'est parce que nous-mêmes, l'aide entrée dans le ministère, nous entrons sous le signe de culture de résultats. Nous voulons arriver à des résultats malgré les maigres moyens que nous gagnons. Et il y a une bagaille que m'a parlé sous l'île Agonia, c'est question de rapatriement des équipements de travaux publics. Nous constatons que il y a un bon équipement de travaux publics qui est éparpillé sur tout le territoire national, ou bien son autorité, ou ancien député, ou ancien sénateur qui prend le café de travail par eux, ou bien son, c'est des gens qui accaparent l'équipement et puis il a fait travail pour eux et au détriment de la population. Hier, il y a un incident passé dans Belader. Deux magistrats qui prennent même 5 pièces d'équipement. Il y a une excavatrice, il y a un bulldozer, il y a un rouleau, environ d'autres équipements. Et nous sommes allés chercher. Nous sommes allés chercher, directeur départemental là, te discuter avec eux, te gagner un accord pour aller chercher. Et les allés chercher, nous monsieur, mobiliser population, il y a un bon monde qui zame au point, d'après information qui vient joindre nous dans le ministère, et il fait à le déposer équipement côté ou à le chercher. Donc, c'est des actes nous trouvons qui inacceptables, que le gouvernement n'est pas capable d'accepter ça. Donc, équipement ça, c'est de l'argent qui a sorti dans la poche population, parce que les acheter équipement, l'État obligé à payer avec taxes que la population est payée. Donc, équipement ça, ils ont acheté pour mettre au service de la population, mais ce n'est pas au service d'un citoyen ou bien d'une citoyenne. Donc, c'est inacceptable. Nous disons que l'équipement est fait pour servir la population, il n'est pas fait pour servir l'intérêt d'un seul monde. Là, nous entrons là à tout. Nous constatons que le ministère, sur le plan, nous avons dit fonctionnel, a gagné des problèmes. Par exemple, entre les unités qui travaillent avec les agences internationales telles que BID, Banque mondiale, Union européenne, côté que pas de gagner Santa Cabrelle, une synergie entre ces unités-là et les différentes directions qui gagnent en dans ministère. Et c'est pour cette raison, nous abordons le problème non, et nous essayons de construire cohésion ça entre le directeur, le coordonnateur des différentes directions départementales, de telle sorte que projet cap fait dans le département yo, que non seulement que directeur départemental yo intégré la donne et aussi les directeurs centraux concernés, par exemple généralement ce sont des routes et des ponts qu'a fait, eh bien il faut que directeur qui responsable à faire transport dans le ministère faut qu'il au courant, faut lui participer dans élaboration projet ça yo dans exécution yo de telle sorte que gon appropriation qui a fait les projets au fini. Il y a une route qui passait par par Taraz, eh bien nous te prend disposition avec le peu d'équipement que DDO rien, c'est-à-dire la direction départementale ouest, pour continuer ou ça améliorer et river carrefour. Nous croyons que nous avons la dernière semaine pour passer pour arriver à Kafou. Il y a un monde qui a mon sari encore basson geli et il prend li avec excavatrice, avec mato piqueur, il a cassé mon nom. C'est
pas une situation idéale, yo ouvri li, mais yo fait le maximum d'efforts qu'il faut avec très peu de moyens, côté que direction départementale l'Ouest là presque rivé déboucher sous carrefour, ce qui signifie que gagne une alternative que TPTC bail pour moun carrefour capable sortir dans pénitence que oui. Nous commençons par exemple par le département de l'Ouest. Il y a la réhabilitation et entretien des rues de la zone administrative de Port-au-Prince et malheureusement qui concerne les rues délimitées par la rue de la Réunion, les rues de la Réunion, Saint-Honoré, rue Capois, Liberté, rue Monseigneur-Guillou, qui malheureusement sont arrêtées depuis le mois de juin pour indisponibilité de fonds. Et le ministère entreprend des démarches auprès du PM et auprès de son collègue des finances pour pouvoir trouver les fonds nécessaires pour continuer ces projets. Mais toutefois, le ministère n'est pas resté sans rien faire avec les maigres moyens dont il dispose et les queues de budget dont il disposait. Il a entamé la réhabilitation de Caradu à Tabar, village tamarin. Et dans la commune de Tabar, et les travaux réalisés depuis sont la construction de caniveaux, et la construction de chaussées en béton hydraulique, et l'évacuation, le curage de déblais. À la WIN aussi, et les activités réalisées pendant la période de novembre 2021 à 2022 se résument comme suit. Nous avons réalisé près de 1062 mètres cubes de déblais. Nous avons implémenté 105 mètres carrés de trottoir, 150 mètres linéaires de caniveau et 693 mètres carrés de chaussée en béton hydraulique, 53 mètres linéaires de dalles, 2,50 mètres par 2,50 mètres. Il y a certains projets dans le bas nord-ouest aussi qui étaient commencés, mais c'est toujours la même situation. Hein? Et c'est pas à partir d'un budget défini et qui finançait. Et c'est toujours le président de la République qui s'était investi lui-même personnellement et donnait les moyens nécessaires, surtout les moyens financiers, pour te faire projet nord-ouest. La RN1, par exemple, qui était sous contrat avec la firme Estrella, qui voyait une mise en demeure par maître d'ouvrage, et qui évoquait un bon problème. C'est dilatoire qu'a fait, mais le ministère est en pour parler encore avant de passer à la phase de résiliation que nous pas souhaité pour nous capable continuer le travail ça. Il n'est pas fait un pile effort avec compagnie de téléphonie mobile pour nous éviter grogne, casse au niveau du réseau fibre optique qui passait. Parce que ce n'est pas Dîner, pas directement, mais c'est de préférence des films qui sont engagés par la Dîner, pas. Et je crois que tu as une première initiative qui t'est faite, tu as une rencontre qui t'est faite dans le Palais National avec tous les opérateurs et les directions et générales qui concernaient par le problème. Ça. À tel enseigne, il était fait tout récemment, avant d'arriver ministre Rosemont Bradel dans les travaux publics. Côté que tu as un protocole d'harmonisation pour tes siens. Et Digicel en particulier conscient que il y a des efforts que Dîner pas fait pour informer tout partenaire, plus particulièrement les compagnies de téléphonie mobile, de travail qu'a fait. Mais des fois, le plus gros problème qui compte gagner avec les opérateurs, c'est bon Intel, et puis l'oreille Intel, et puis Intel doit consacrer le panan Digicel encore ou bien le panan Natcom encore. Et ça sont rectifications. Dîner pas, nous tous connaissons, malgré toutes difficultés qui gagnent en d'un pays, Dîner pas en chantier dans tous 10 départements pays. Et je ne peux pas énumérer tout ça qu'a fait dans 10 départements, mais il y a des projets forts que nous tiens à eux-mêmes. Nous rappelons que avec l'arrivée ministre, et pour nous connaître
avec arrivé ministre là, écoute mais que Libanon nous t'est arrivé inaugurer 4 gros réseaux qui joignent financement Banque mondiale au niveau de la côte sud. Actuellement là à Tiburon, les Anglais pas rapidement au Chabato qui est 24 sur 24. Bravo. 24 heures sur 24. Pour salut Gonti retard, nous avons environ 60% et c'est ça qui fait que nous sommes obligés de mettre film dans son administration de concert avec la Banque mondiale pour nous être capables tout au moins finaliser les travaux. Et pour le département Nord, ministre depuis plus que 20 ans, Cap-Haïtien n'a pas de l'eau. Cap-Haïtien n'a pas de réseau de l'eau. Et nous lançons le plus gros message positif là. Et avec arrivée où, et mettre Clérisson ou te voyer là, regarder sa cap fait, qui vient faire que deux réservoirs Bel Air là, qui ont capacité de 4500 mètres cubes, deux réservoirs ça y alimenté à partir de forage ballon qui derrière doit au port là, qui vient faire que toute caille de la rue 2 jusqu'à la rue 12, y a de l'eau actuellement. Pour matin, moi, à 41 mégawatts. Sur tout le réseau pour matin. 41 MW, ça veut dire que je ne peux pas alimenter un pile de monde ensemble. Si je regarde bien, dans ce que je gagne là, il faut gagner 8 circuits sur près de 40 circuits qui ferment. Ça veut dire que 8 circuits qui gagnent courant. Et il y a des circuits qui sont tellement gros nèg que je ne peux pas kembe 24 heures. Si je suis en c'est comme si je retirais trois autres circuits. Donc, je suis obligé à faire une rotation et stratégique. D'abord, je fais une rotation commerciale. Dans la journée, je m'alimente le commerce là, avec l'industrie. Et puis, le soir, je fais roulement avec la résidence. Là. Une façon pour moi, je suis toujours. Parce qu'au niveau commercial, la situation pigrette toujours. Au niveau commercial, nous avons un taux de facturation qui est en dessous de 50%. Au niveau recouvrement, nous avons doué EDH, papa les baisa. Il y a trois personnes qui doué, soit pour une raison quelconque qui n'a pas payé, soit ils doué depuis longtemps. Et nous avons même discuté avec le ministre, même au niveau même du gouvernement. Nous avons un problème ça. Donc alors, situation tellement grave, l'homme fait tableau à devant, nous regardons moi au niveau central Carrefour. Qui ont capacité installée de 41 MW, il y a zéro là-dedans. Zéro pour qui ça? Tout groupe est indisponible. Si nous continuons à faire le marché, nous avons fini de craser net. Donc, nous avons choisi, moi, dit que c'est comme si nous avons une machine qui est arrivée pour faire service. Ou dit, ah, je vais faire le demain. Je vais faire l'après-demain parce que je beaucoup de cob. Mais moi-même, je vais côté, je dis, je vais camper. Je dis, parce que si je continue plus loin, les Ambab gen groupe du tout. Et c'est ça qui arrive avec un groupe dans le Carrefour, qui m'a laissé 3 qui fonctionnent au mazout, qui te gagne 8 MW que le décabre moins, et bien il cannibalise. Cannibaliser, ça veut dire que il retire pièce sous lui et mettre sous l'autre. Et puis ainsi de suite. Donc, il commence à perdre en pile centrale comme ça. Et pour m'a refaire Carrefour 1, ça m'a le Carrefour 1, hein. C'est Carrefour que EDH te gagne. Pour m'a refaire Carrefour 1, et m'gen près de m'gen 25 millions de dollars m'gen Villebois qui est endommagé m'gen 20 millions d'euros m'gen c'est remplacé pour remplacer groupe. Ça veut dire que des investissements assez importants. Le m'parler à ministre, me dit ministre, moi-même moi pas d'avis à ce que nous a fait intervention ponctuelle comme ça tout le temps. De temps en temps, groupe en panne, il bon cob me réparer, m'ca réparer comme moi dit m'ca réparer. D'ailleurs, me fait prévision là pour près de 111 MW d'ici fin année, que moi-même, je vais réparer pour compte moi, sans pas besoin de faire l'autre gros investissement. Mais pour me faire le tout, il y a un autre facteur. Fin réparer le groupe là, mettez gaz là-dedans, son lot à faire tout. Parce que nous pas oublier que, le vend courant, je vends à crédit, le monde prend 2 mois, 3 mois, il n'y a pas qu'à payer. Moi-même, côté moi, j'ai une cop, je vais acheter gaz là encore. Et c'est ça qui arrive là, depuis le mois de décembre. Gouvernement consenti un effort, libre de gaz. Et maintenant qu'on y a à chercher comme dans mes clients, clients d'où le peut comparer pour le payer. Et c'est ça qui fait que le dernier arrivage compte prépayé, pral censé permettre de résoudre quelques petits problèmes. Donc, nous avons vendu, nous avons pris un cobla pour nous acheter encore. Impératif pour que nous ne pas arrêter de croiser et que nous obligions
et nous avons devoir pour nous prendre des initiatives. Et c'est une initiative que le Sénat a forcé pour le prendre. Parce que nous n'avons pas capable de figer. Nous n'avons aucun a priori. Aucun a priori. Nous sommes en consultation permanente avec les leaders politiques, les groupes politiques qui disposent de la et qui ont choisi de torpiller. Parce que l'exercice a ce exercice qui est porteur de résultats. L'initiative que nous prenons là à tout, pour préciser les ceci de propre bouche pas, n'est pas un exercice pour qui pour profiter à Sénat République là. On n'en veut pas. Ni par des sens. On va monter tout un échafaudage, on finir au connaît. C'est pour vous qu'on va monter tout échafaudage. Au plan moral et politique. Au plan politique, il était capable, acceptable parce qu'on a politique, mais au plan moral, il n'est pas acceptable. Et ça fait dire que le Sénat n'a pas qu'un projet politique avec moi-même en dans sa affaire là. Et on a précisé pour la presse que mercredi dernier, le Premier ministre Ariel Henry a été invité au Sénat de la République. Il était parti pour Chili. Il n'y a pas de fait nous signe du tout. Et toujours pour Haïti, le Sénat a jugé bon de lui faire parvenir une nouvelle correspondance pour jeudi midi. Toujours dans souci pour nous harmoniser d'abord les positions avant la tenue de ce sommet qui doit inévitablement déboucher sous ça que me décarrelé un document de consensus avec des positions claires sur chaque bagaille et plus particulièrement sur la nouvelle constitution, sur des élections pour que définitivement nous sommes capables de doter pays d'élus légitimes et des institutions légitimes dans un climat de sécurité acceptable. Nous comptons ouais, que le Sénat connaît que les PAC a été en silence. Nous comptons que le Sénat n'a pas mis les doigts sous bouche. Que le Sénat ouais, que gagne une obligation, faut que nous parlions. Faut que nous parlions ensemble. Faut que les Haïtiens soient capables de chita pour nous discuter. Nous ne pas capables dans une insécurité qui a valé terrain dans le niveau que lié à la. Utiliser un mot que je pense qui pas fort. Nous avons parlé de génocide en silence qui a passé dans le pays là, donc nous pas capable rester en silence pendant que l'insécurité a fait ravage là, nous pas capable rester en silence pendant que gagne 4.6 millions frères avec ce noyau et particulièrement nous mêmes qui sortis dans le sud, nous connaissons très bien de qui ça que n'a parlé là, en pile monde dans le pays a connaît réalité à tout que gagne 4.6 millions frères avec ce noyau qui plongeait dans l'extrême pauvreté à partir du mois de mars. Donc, nous pas arrêter en silence face à cette situation. Je dis à un peu le monde qu'on a parlé de accord, désaccord. Nous-mêmes dans RDNP, nous disons que nous sommes toujours contents si nous sommes capables de joindre un accord sur désaccord, nous, qui est plus bon. Cependant, si c'est difficile en pile, nous croyons que le terme que vous employez à lui-même est plus facile capable de faire. Un consensus large. Et une bonne bagaille que nous sommes déjà d'accord sur vous. Nous croyons que c'est une belle bagaille lorsque nous entendons dans la bouche du président Sénat par nous que nous reconnaissons cette nécessité et Sénat d'accord pour gagner une nouvelle constitution. Pas aucune raison pour sous table depuis Haïti, pour quelle que soit génération,
même si ces générations qui passaient sous pouvoir en 90, 91, même si ces générations qui gagnent l'argent Petro-Caribé dans Méo pour y avoir explication sur lui. Parce que nous devons et ou bien placé que le président pour qu'on ait que gagné sur chaque 5 gouttes qui est dans le budget, gagne un goutte, je ne dis pas, qui a payé le service de la dette. Donc, on a coupé en bas. Mais, quelle que soit la génération, nous avons besoin de tout ensemble pour nous mettre Haïti sous table. Et nous croyons que depuis que nous mettons Haïti sous table, c'est facile. Nous avons besoin de consensus qu'il faut pour nous avancer. Historiquement, nous croyons que aujourd'hui, c'est un gros bagage qui s'est passé là parce que le président Sénat fait aveu côté que il dit que le Parlement a pile pouvoir dans mel. Il a pile pouvoir dans mel et que il souhaitait un rééquilibrage de pouvoir. Nous croyons que la nation prend bonne note et c'est ça qui est un homme d'État. C'est-à-dire qu'au lieu de garder intérêt personnel, au lieu de garder intérêt de groupe, de clan, parce que le Sénat, son clan, Parlement, son clan, au lieu que nous avons gardé intérêt par nous, eh bien, nous dit la nation. Et nous croyons que l'histoire va juger qu'aucune chaîne position ça, que ou prend là, n'a content encore que l'exécutif là, n'a redit encore, prend père ça que le Sénat a voulu. Puisque nous sommes tous d'accord, il faut qu'il y ait une nouvelle constitution, mais il y a 10 sénateurs qui là, nous ne pouvons pas attendre ce deuxième lundi, mois de janvier, pour l'Assemblée constituante à le monter. Donc, quelque part, dans le cadre large consensus là, il faut qu'il y ait un mot qui dit à 10 sénateurs pour nous arriver vers l'Assemblée constituante.